je demande aux gens s'ils sont vraiment la relève, parce que... je suis d'accord avec la question. C'est la question que je me suis posée. Je me suis dit, mais si mon patron pense que je veux le buter en venant, ça va mal se passer. Tu sais qu'elle est tellement sympa qu'elle aurait pu être de droite. Oh non, c'est pas ça. Non, mais je vous taquine, oh, ça va si j'ai pas le droit. Vous pouvez pas être de droite. Moi, je suis rien. Non, je faut pas le dire, je suis très aimé avec Anne Hidalgo. Ah, c'est plutôt bien. Voilà, et Rachida Dati. Là, je suis avec... Tu l'as ou pas? Moi, je suis avec Jean-Pierre Augustin. Jean-Pierre, c'est moi. Et Augustin, c'est moi. Augustin, c'est l'acolyte, ouais. Ouais. Il est en train de l'appeler pour le, ouais, pour le faire, tiens, pour qu'il vienne, quoi. Ouais, mais attends, il y a la télé, il faut qu'il vienne. Bon, alors, donc, vous êtes Madame Disney, donc. Bonjour, bonjour, je suis Virginie Calmels, présidente du conseil de surveillance d'Euro Disney. Oula, ça fait très mal, la présentation. On est très fiers en même temps. Est-ce que vous pensez être la relève? Puisque vous êtes là quand même pour la relève. Écoutez, juste pour le numéro de demain, et encore, j'ai le soutien d'une formidable journaliste à mes côtés. Elsa. C'est ça. Ils sont jolis aux échos quand même. On va habiter là, je pense. Alors, ça bosse sur quoi, bonjour? Bonjour, ça bosse sur... on bosse sur le chômage de longue durée. Vous êtes pour? C'est un combat de tous les jours, contre. Est-ce que vous pensez être la relève? Je ne sais pas, j'espère. Personnellement? Me donne du mal. Personnellement, vous êtes un grand patron, est-ce que vous pensez être encore plus grand patron? Ouais, je ne pense pas être un grand patron encore, voilà. Pas mal, il est modeste quand même, le garçon, mais il est pas mal. Non, je suis pas, j'essaye de faire correctement mon travail, c'est déjà une bonne ambition tous les jours. Ok, bah alors travaillez bien. Bah oui, il faut bosser. Ah oui, il faut bosser. Hein. Faut y aller, allons-y. Bah, c'est vous. Bah c'est moi, c'est vrai que c'est de ma faute, c'est moi. C'est quoi ton job, toi? Ça, j'aimerais bien le savoir. Dans la vie, vraiment, pour de vrai? Ouais. Je suis patron des chaînes Canal+. C'est quoi les chaînes Canal+? Alors, c'est un ensemble de chaînes payantes. T'es plus important que Belle-Mère ou pas? Non, juste en dessous. D'accord. Tout de suite, ça ramène à la réalité. J'adore les mecs à cravate. J'ai regardé, il n'y en a que deux aujourd'hui. Ils n'en mettent que le dimanche, en fait. Il n'y en a que deux. C'est quoi ton nom? Saad, à chanter de la messe, en fait, ce matin. Saad. J'aime autant bosser un dimanche sur un sujet pareil. C'est quoi votre job dans la vie, autrement? Moi, je suis président de Publicis Events et vice-président de Publicis Consultant. Donc, d'accord. C'est un autre métier. Mais pendant très longtemps, j'ai beaucoup nourri les journalistes de l'actualité en travaillant avec Nicolas Sarkozy. Donc, je me retrouve de l'autre côté de la barrière, donc c'est plutôt marrant. Il va revenir, vous croyez, Nicolas Sarkozy? Ah, ça, j'en sais rien, mais c'est pas le sujet de mon... d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le sujet d'un retour aussi, mais c'est celui de PPDA Radio Classique. Vous voyez, c'est pas la même chose. En fait, vous, je vous vois déambuler comme ça, votre papier est terminé? Ça y est, c'est fait. C'était quoi? Une interview du directeur de la communication du PMU. Thalès, c'est très important, Thalès. Je sais pas si c'est très important, mais... Très important. En tout cas, on a travaillé vite et bien. En plus, ils sont bien élevés, tout ça. Pas de cravate? Pas de cravate. Par rapport au mec de Canal qui se la pète un peu là-bas. Alors, mais c'est fini, l'article est rédigé, c'est bon, ça y est. On a fait, honnêtement, enfin, modestement, je pense qu'on a fait le meilleur article du journal. Donc, alors, tu penses que vraiment tu es la relève? Maintenant, je te tutoie parce que là, je peux pas du tout. Le mec qui tient la main sur. En même temps, tenir cette rubrique vidéo et parler à cet ensemble de gens, ça n'a que d'intérêt de créer des relations pour ta carrière future. Enfin, tu crois qu'on peut être amis, c'est ça que tu veux dire? Allons-y directement. Je comprends que ce soit intéressant, mais bien sûr. Mm-hmm. Et toi, ta journée? Bah bien, maintenant je t'ai connu, donc c'est maintenant... Moi j'ai un nouvel ami, donc je suis content. Alors après, je crois qu'on va être... c'est fusionnel comme ça. Hein, c'est... Donc sympa? Bah ouais, vraiment. T'as vu tout le monde? Bah, tout le monde non, mais j'ai vu plein de gens sympas. Quoi. Plein de gens intéressants. Ouais. C'est une belle initiative. Non, mais ce qui est rigolo, c'est que c'est très hétéroclite, c'est et homogène en même temps. Mmh. Tu sais, il y a une belle osmose et que les gens soient venus de leur plein gré très tôt quand même un dimanche, qu'on crève de froid. Mais je trouve ça rigolo, quoi. Je trouve ça c'est rassurant. Vous êtes tellement sympa qu'on vous pourriez être de gauche. Cette question ridicule. J'adore. Mais on est vachement sympa aussi à droite. Mais je parfois sais. Même plus sympa et moins sectaire aussi. Hein. Plus ouvert. Je dirais rien. Mais... bon. Mais je vous embrasse, vous êtes trop sympathique. Oh, c'est gentil. Je crois qu'on va finir un peu ensemble. De douceur dans ce monde. J'adore, ouais.